Disputes conjugales, problèmes d'addiction, suicide, de nombreux détails sur la vie privée de Kenji Girac ont été révélés ce jeudi 25 avril par le procureur de Mont-de-Marsan, au plus grand regret de ses proches. Pendant sa prise de parole, le procureur a ainsi exposé les problèmes d'addiction à l'alcool de Kenji Girac, qui seraient à l'origine de multiples tensions dans son couple. Le soir de l'accident, le chanteur de 27 ans aurait consommé de la drogue et serait rentré chez lui extrêmement alcoolisé. Sa femme Soraya aurait alors menacé de le quitter, et dans le but de lui faire peur, ce dernier aurait alors simulé une tentative de suicide avec son arme, mais le tir serait parti en direction de sa poitrine. Si l'affaire devrait finalement être classée sans suite, les fans et les proches du chanteur regrettent qu'autant de détails sur sa vie privée aient été dévoilés, à commencer par son ami de longue date Vianney, qui n'a pas mâché ses mots sur son compte X. Un procureur multicasquette, j'espère que la presse people lui enverra des fleurs, a-t-il notamment écrit. Dans un communiqué envoyé à l'AFP, l'équipe de Kenji Girac a également expliqué regretter que le magistrat ait cru bon de divulguer l'intimité de la vie privée et familiale de Kenji Girac, et ce, sans nécessité au regard de l'enquête en cours. Et toi, t'en penses quoi ?